Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire un nouveau haul action. J'y suis passée ce matin, donc aujourd'hui pour info nous sommes le 29 octobre, donc confinement oblige. J'y suis passée parce que je sais personnellement que ça va fermer. Et il me fallait quand même 2-3 bricoles, alors non, pas du PQ, tout ça, je ne fais pas partie des cassos de français qui se sont encore une fois jetés sur le PQ et les pâtes, hein, voilà. Mais il me fallait du papier cadeau pour préparer la fin de l'année, des feuilles pour l'imprimante parce que Raph nous demande de lui imprimer 20 coloriages par jour. Et je voulais acheter des petits chocolats pour le swap du calendrier de l'Avent avec Nini puisqu'elle vient le récupérer tout à l'heure. Donc voilà. Et il me fallait aussi 2-3 produits d'entretien puisque je sais personnellement que ça va être dévalisé pendant ce confinement. Donc j'ai un petit peu anticipé la chose. Comme d'habitude, je vous mettrai les prix quelque part et c'est parti. Donc comme je vous disais, j'ai pris du papier cadeau. Donc j'ai pris 2 rouleaux Toy Story pour les garçons, voilà, ils sont trop trop mignons. Je crois que j'avais déjà pris pour l'anniversaire de Raph l'année dernière, je sais plus. Et un autre qui fait un peu plus adulte, on va dire, pour les cadeaux des adultes, voilà. Pour Mini, du coup, comme je vous disais, j'ai pris des petites gourmandises, donc j'ai pris ceci. Donc c'est des petits gâteaux au chocolat avec les petites trucs dessus là. Oh, too good to go, débarque. Ils sont très très bons ceux-là, je les aime beaucoup, c'est mes préférés de chez Action à la période de Noël. Ah oui, alors j'ai pris un pistolet à colle pour faire des activités avec Raph, ça fait longtemps que je me dis achète-en un, c'est quand même pratique. Et la dernière fois j'en voulais un, bien évidemment il n'y en avait plus, donc là j'en ai trouvé un. Je vais peut-être enlever mes lunettes, ça évitera le reflet du jour quoi. Donc j'en ai trouvé un, j'étais bien contente, voilà, je sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais bon, ça n'a pas l'air très compliqué en même temps. Et j'ai pris des petits bâtons de colle qui vont avec, voilà, ça c'était pas vraiment cher, et je me dis pour les petites activités avec Raph, ça va être très bien. Ensuite, un produit ménager, donc j'ai pris ce canard WC, pour les WC, c'était la senteur envolée florale, voilà, je crois que Lily le prend celui-ci. Voilà, j'en ai bientôt plus et il m'en fallait tout simplement. J'ai trouvé ceci, donc ça c'est une nouveauté dans mon action pour mes toilettes. Donc c'est un diffuseur de parfum avec les bâtonnets, fleurs de prunier et abricots. Voilà, j'espère que ça sentira bon. On verra, dedans il y a des billes là comme ça. On verra bien, c'est toujours moins cher qu'en grande surface de toute façon. Je vais bien garder le ticket de caisse. Toujours pour le swap avec Nini. Putain, ça a pris cher. Des petites cannes à sucre comme ceci. Donc ça, c'est toujours sympa. Accrocher sur le sapin, à grignoter comme ça. Nini, elle a 3 enfants. Donc je pense que ça sera mangé sans souci. Et je trouve ça toujours sympa de mettre ça dans un petit calendrier de l'Avent. J'ai repris mes sacs poubelles habituels, je les prends à chaque fois. Ils sont très bien, il y en a 15 à l'intérieur. Vous avez le cordon comme ça pour pouvoir porter le sac. Ils ne se cassent pas, ils sont assez résistants. Donc voilà. Toujours pour le ménage, j'ai repris des lingettes. Alors ça, j'en achète beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Mais des fois, ça dépanne bien quand même, faut pas se mentir. Donc j'en ai racheté parce que j'en avais plus et celles-ci sont très bien. Ça sent le citron, il y en a 80 dedans, donc c'est un assez gros paquet. Mais voilà, c'est pas avec ça que je fais mon ménage, mais pour dépanner, j'aime bien avoir ça. J'ai repris un petit chiffon microfibre comme ça, mais il est quand même assez épais. Pour faire mon miroir de la salle de bain, parce que à chaque fois il y a des traces, ça me saoule. Chiffon en microfibre, il y a marqué, mais il est super épais par rapport à ceux que j'ai, parce que j'en ai plein des chiffons en microfibre. Donc j'ai pris ça et j'ai pris un produit à vitre parce que pareil, j'en avais plus. Brillance sans trace, on verra bien, je connais pas cette marque, ça doit être une des marques Action. Il n'y avait pas de vraie marque entre guillemets, donc je me suis dit ça fera peut-être bien l'affaire. Ensuite j'ai repris des cotons comme ceci. Alors je n'en utilise pratiquement plus, voire plus du tout. Si le matin j'avoue que j'en utilise un pour avec mon domicilaire pour me passer un coup.
Mais vous allez voir, j'ai acheté autre chose, donc voilà, c'est vraiment pour dépanner au cas où j'ai besoin de coton. Mais j'espère ne pas avoir trop à m'en servir. J'ai repris mes serviettes hygiéniques parce que ça, clairement, comme action, va fermer. Je sais que bah, je vais avoir mes règles hein, pendant le confinement et que ça m'embête de payer ça pratiquement 3 euros dans le, à Leclerc ou à Carrefour. Donc je les ai pris à Action, j'en ai acheté déjà la dernière fois, mais ça part vite ces conneries là, donc j'en ai repris. Ah oui, alors j'ai pris un pige pour Raph, j'espère qu'au niveau de la taille ça va aller parce que c'est 3-4 ans, bon là il met vraiment du 4 ans. Voilà, avec des dinosaures, ils sont vraiment pas chers les pyjamas chez Action, ils sont de bonne qualité, franchement j'en ai acheté 2 la dernière fois et j'en suis super contente. Voilà, comme il grandit vite ce petit bonhomme, et ben j'en ai repris un. Ouais, au niveau de la taille, ça va pas lui aller très très longtemps quand même. Voilà, avec des petits dinosaures, serré à la taille, serré au pied. Je vais mettre ça à la machine. Et le t-shirt est comme ça, manche longue. Là pour cet hiver, c'est très bien. Voilà, et franchement, je n'ai pas trouvé d'autres magasins où les pyjamas sont à ce prix là, clairement. Yeah. Comme je vous disais, j'ai pris des petites gourmandises comme ça pour le swap avec Nini. Donc je vais lui mettre comme ça dans le sac. Des petits Père Noël, petit bonhomme de neige, petit lutin en chocolat. Pour Raph, j'ai également repris des caleçons. Alors chez Action, je ne comprends pas les caleçons pour les enfants. Vous avez du 98 104 cm. Donc ça, voilà. Et il n'y a pas de 104 à 110. Vous passez directement après 110, 116. Donc ceux-là sont un peu grands, mais les 98-104 sont trop petits. Au niveau de l'élastique, ça lui sert, alors qu'il est vraiment pas épais, mon fils. Mais du coup, voilà. Donc j'ai pris un lot de 3 Mickey, comme ça. Même s'ils sont un peu grands, je préfère qu'ils soient bien à l'aise dans les caleçons. Bon, après, c'est petit boxer, donc ça reste moulant. Ils sont trop mignons, franchement. Voilà, je lui achète tout le temps ces caleçons à Action. Et ils tiennent carrément bien, il n'y a aucun souci, donc voilà. 3 petits caleçons au lavage aussi. Ensuite, j'ai repris des sacs à crottes pour la chaîne, voilà, ça c'est l'indispensable. Quand je vais chez Action, je rachète des sacs à crottes, puisqu'il faut bien les ramasser, n'est-ce pas? J'ai ensuite repris un produit à vaisselle, comme ça je sais pas s'il est bien, mais vu que là je ne peux pas faire de dry, vu que c'est en indispo, voilà, et que j'en ai plus d'avance, là j'en ai repris un, il sent bon, on verra bien s'il est aussi efficace que le mire, d'habitude j'achète tout le temps du mire, on verra bien. J'ai ensuite repris un bloc de feuilles comme ça, de papier blanc, pour pouvoir imprimer tout ce que j'ai imprimé, voilà. J'allais dire les attestations, mais non, les attestations je vais les faire sur le téléphone parce que sinon on va pas s'en sortir avec le papier. J'ai ensuite repris des lingettes, alors là il y en a qu'une mais l'autre doit être dans la boîte. Des lingettes comme ça pour se démaquiller parce qu'il m'en reste encore des roses, donc c'était l'ancienne collection. Et elle commence vraiment à être abîmée, à force il y a des traces qui restent. Donc voilà, j'en ai racheté, je me démaquille qu'avec ça sous la douche tous les soirs. Voilà, vous avez les petits trucs pour mettre les mains, vous démaquillez, hop hop hop, c'est trop bien, il y a juste à mettre de l'eau et la lingette suffit pour me démaquiller entièrement le visage. Et après vous voyez, je me maquille pas non plus de ouf, mais elles sont trop bien, ça coûte 99 centimes, ça, franchement ça dure assez longtemps et elles sont toutes douces, donc ça c'est pareil au lavage. J'ai repris des paquets de Pipasol pour mon chéri, j'en ai pris 6 parce que j'en prends toujours 5-6 paquets, ça c'est sa drogue. Ne m'en parlez pas. Ah oui, alors au rayon Noël j'ai pris ça, des attaches pour les boules de Noël parce que je crois que j'en ai plus, à chaque fois on les perd ces trucs là. Donc j'en ai pris d'avance pour Noël. Ensuite j'ai trouvé des nouveautés comme ceci, alors je crois que je les ai vues sur la chaîne de Lily, mais elle n'avait pas pris les Avengers, elle avait pris, je sais plus, Mickey, je sais plus. Alors je sais pas vraiment ce que c'est, je crois que ça a l'air des petites voitures plates comme ça, vous pouvez les mettre en bague apparemment, voilà. Avec les Avengers, donc il y avait 4 modèles, il y avait Captain America, Iron Man, Hulk et Spider-Man, j'ai trouvé les 4, je suis trop contente, je les ai pris direct. Donc ça je pense que je lui mettrai sous le sapin ou pour son anniversaire parce que Raph est né le 25 janvier, donc du coup bah, ça s'enchaîne avec Noël.
Voilà, une marque qu'on peut faire tout ça avec. Je sais pas trop là. On y trouvera l'utilité. De toute façon, tout ce qui est en rapport avec les Avengers, ils kiffent. Donc je vous dis, j'ai pris Captain America, Iron Man. Ça, je vais les planquer parce que si les vois, je suis dans la merde. Spider-Man et Hulk sont préférés. Voilà. Ça, ça a coûté 1,99€. Voilà. Je sais qu'il va kiffer, donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Ensuite, j'ai pris une boîte comme ceci. Alors, celle-ci n'est pas très très grande. Elle fait 24 litres. Tout simplement parce que Raph va avoir des Playmobil par le Père Noël. Et il faut bien les stocker. Donc, vu qu'il a déjà des bacs de rangement, là, les meubles de chez Ikea, je me suis dit, au pire, tous ces Avengers iront dans cette boîte-là et les Playmobil dans les autres. Enfin, on va s'organiser, mais quoi qu'il arrive, il me fallait une petite boîte en plus. Donc, à Action, les boîtes, ça coûte que dalle. Ensuite, j'ai trouvé... comme si c'était un truc de ouf. J'ai acheté des éponges parce que, pareil, j'en ai plus. Là, c'est un lot de 3. Donc, voilà. Comme je vous disais... Voilà. J'ai pris également ceci pour emballer les cadeaux. Voilà. Toi-même, tu sais. Voilà, j'aime bien mettre ces petites conneries sur les paquets cadeaux. Donc, voilà. La dernière fois, j'ai acheté ça. Mais c'est une dinguerie, les gars. Vraiment, c'est une dinguerie. Donc, on a pris deux et encore, j'avais envie d'en prendre plus. Hein. C'est des pop-corn au caramel salé. Comment vous dire, je me retenais de pas bouffer le truc entier en une fois. C'est dans des paquets comme ça, style Pringles, ça, les paquets de chips. C'est une tuerie, vraiment, vraiment. Je vous conseille ces trucs-là, si vous ne les connaissez pas, c'est trop bon. Donc voilà. Pour Rav, j'ai pris ceci. Alors d'habitude, je lui prends les Capri Sun. Oui, c'est ça. Capri Sun, il adore ça. Et là, j'ai voulu tester ceux-là. Je ne les connais pas, donc c'est la marque Tropi. Voilà, c'est multi-fruits, là, vous savez, dans les gourdes comme ça. Ça c'est le genre de truc bien pratique qu'il aime bien. Encore un paquet de Vivasol. Je vous disais, les petites lingettes comme ça démaquillantes que je vais ouvrir pour mettre à la machine. Hop. Toujours pour Nini, j'ai trouvé ça, vous savez, c'est des petits bâtonnets avec des petits carrés de chocolat. Vous trempez ça dans du lait, vous touillez et ça vous fait un chocolat chaud. C'est une tuerie, j'ai failli en prendre pour moi, j'aurais peut-être dû. Parce que là, c'est la période, voilà, chocolat chaud, petit plaid, Netflix, tout ça, on connaît. Donc voilà, j'ai pris ça, j'espère qu'elle va aimer. Parce que je sais que Nini, elle est plus café. Mais il y en a deux dedans, donc je me suis dit, un pour elle, un pour son chéri, ça pourrait être cool. Et pour aller avec, j'ai pris des mini chamallows, comme ça, je me suis dit, le petit combo, nickel. Pour mettre au-dessus du chocolat chaud, comme ça. Des petits chamallows, une tuerie. Voilà, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, je pense qu'elle va se régaler. Et pour terminer, j'ai pris ceci que j'ai vu sur l'Instagram de Ludivine. Donc mais je crois qu'elle est en privé. Maintenant, c'est Divine DPZ pour celles qui la suivent. Elle montrait qu'à Action, ils faisaient des petits cotons. Pareil que les lingettes démaquillantes, réutilisables comme ça dans un petit pochon. Il y en a 10 à l'intérieur. Je suis trop contente de les avoir trouvés. J'avais zappé alors qu'elle a mis la photo hier et je lui ai dit waouh, c'est trop cool ça. Et en reprenant mes lingettes démaquillantes juste à côté, au fond, je vois ça. Je me dis mais c'est ce que je voulais. Donc j'en ai pris 2 paquets. Voilà, je trouve ça trop cool qu'ils fassent ça vraiment parce que les revendeuses, les gens qui en font et qui les vendent, je trouve que c'est un peu cher quand même pour ce que c'est. Même si c'est joli, tout ça, ça reste cher. Et là, Action a fait ça. Voilà. Donc là, clairement, on est bon, quoi. Ils sont assez grands, hein, franchement. Voilà, par contre, je vous les conseille vraiment de les laver. Enfin, moi, comme je vous dis à chaque fois, je lave tout ce que j'achète. Au niveau du textile et tout, depuis toujours. Hein, pas depuis le Covid, hein, depuis toujours. Et là, ça perd beaucoup de moumoute. Alors, il faut vraiment les mettre au lavage. Mais voilà, ils sont assez grands. Ça peut vous faire l'œil sans problème. Je suis trop contente. Il y en a 10 dans chaque pochon. Pour transporter, c'est nickel. Pour ranger, c'est nickel. Donc voilà, je suis super contente d'avoir trouvé cette petite connerie. Voilà pour mon haul Action. Du coup, là, voilà, on va plus y aller pendant un moment. C'est pas plus mal, ça va faire des économies. Parce que là, ces derniers temps, Action, j'en ai abusé. Clairement, j'en ai abusé.
Donc voilà, j'espère en tout cas que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué avant la fermeture. Voilà, après, si ça n'avait pas été fermé, je serais peut-être pas retournée dans 2 jours, tu vois. C'est que là, j'avais besoin de trucs, produits ménagers. Je voulais terminer le swap avec Nini parce qu'elle le récupère aujourd'hui. Et voilà, bref, je vais arrêter de me justifier et de blablater. Je vous laisse ici, profitez si vous ne travaillez pas de vous reposer. Et bon courage à tous ceux qui travaillent. Moi là je suis actuellement en vacances, mais Mélanie ce n'est pas un vlog, ne raconte pas ta vie. Je reprends le travail lundi et voilà. En tout cas, prenez soin de vous, faites attention à vos proches, respectez bien tout ce qu'on vous dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.